Il y a du monde, il paraît. Bah tant mieux, je suis très content, je savais pas à quoi m'attendre. C'est vrai que c'est un peu atypique de faire une dédicace dans les locaux du Crédit Mutuel. Quand je viens à Strasbourg, il y a toujours un ressenti particulier. Déjà, tous mes familiers, tous les endroits où je passe, voilà, j'ai mes souvenirs d'avant tout ça, d'avant ma carrière de chanteur. J'ai fait presque 18 premières années ici. Et quand je reviens ici, ça doit être le seul endroit dans le monde où je me sens pas Matt Pokora, quoi. Parce que tout me ramène à ce que j'étais avant. Donc même quand je chante sur la scène du Zénith de Strasbourg, je suis de nouveau le petit Matt, quoi. Et c'est vraiment le seul endroit dans le monde où ça me fait ça, où je suis le petit qui revient devant ses aînés. Et c'est toujours un sentiment très, très agréable. C'est un artiste vraiment énorme, il a un cœur énorme. Il nous fait croire à l'amour vrai et tout ça, et il chante super bien. Il nous fait sourire quand ça va pas. Avant que la vie nous file entre les doigts, je veux t'entendre chanter. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais ouais, visiblement du monde, donc je suis très content. Cette bataille, tu verras la victoire. D'aller à la rencontre du public, c'est ce qu'on fait un peu toute l'année quand on se balade sur les routes de France. C'est important de leur donner un petit moment à partager ensemble. Le public, c'est le pilier de ma carrière. J'ai une passion, mais eux, c'est eux qui me permettent d'assouvir cette passion, qui me permettent de me surpasser aussi, parce que si je vais de projet en projet et que j'ai envie de surprendre, c'est pour surprendre le public. Quand je croise des gens qui me demandent une photo, ou même des fois rien du tout, ils me saluent juste et me disent continuez, on aime bien ce que vous faites. C'est une bouffée d'air pour toute la journée. Mon public, ça a grandi avec les années, mais il y a une forte base qui donne l'influx un peu à tout le monde qui est là depuis le début et qui m'a toujours soutenu. Sans les fans, je ferais de la musique dans mon garage. Ouais, je serais pas là, quoi. Je serais pas assis là en train de répondre à une interview. J'aurais pas la possibilité de faire des gros spectacles, de proposer des beaux shows, etc. Donc tout ça, ouais, forcément, si j'étais pas là, j'aurais pas les moyens de faire tout ce qui me plaît et tout ce qui m'arrive depuis des années. Ça y est, oh là ! Il a pris mes cadeaux que j'avais fait aussi. Il est trop beau. Je réalise pas encore. Mais... Merci d'avoir fait ramener M. Pokora le jour de mon anniversaire. C'est trop bien. Merci, ils ont réalisé le plus beau jour de ma vie, c'est génial. Franchement, c'est trop beau. Ça fait 9 ans que j'attendais de le revoir. Excusez-moi, je voulais juste vous remercier déjà à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Voilà, je dois filer à l'hôtel de ville, recevoir ma médaille de la ville. Donc, si vous voulez faire un tour là-bas, vous êtes les bienvenus. En tout cas, voilà, merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux. Merci pour votre soutien et faites un maximum de bruit pour le Crédit Mutuel qui a organisé ça. Merci à toutes et à tous, prenez soin de vous, à très vite.